Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Peace. Dans cette vidéo, je vous présente ce que je fais et je ne vous incite en rien à refaire ce que je fais. Vous faites ce que vous voulez à vos risques et périls. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'une astuce combinée par un glitch pour gagner des plasmas en illimité sans rien faire. Alors, il faut savoir que cette astuce n'est pas uniquement pour les glitchers. Cette astuce peut très bien fonctionner pour un joueur légit. Je vais vous expliquer ça tout de suite et vous allez comprendre. Donc là, je suis Mange 113. Bien sûr, là, j'ai utilisé un glitch parce que j'ai les spécialistes en illimité. Donc vous voyez bien que je les lance en illimité, ça tourne autour de moi en illimité, ça les one-shot en LDBT. Alors, ça fait 10h04 que je suis dans la map. Je suis à la Mange 113 et je suis en partie customisé. Donc je vais gagner des plasmas, mais je ne vais pas gagner d'XP. Et ça, c'est valable pour les deux joueurs. Donc les glitchers, bien sûr, les glitchers gagneront des plasmas sans rien faire, avec bien sûr les équipements qu'il faut, ou alors la map, ou les spécialistes qu'il faut, parce que là je suis sur une map où il vous faut un strike pack pour pouvoir lancer votre chaque rame en illimité. Donc si vous n'avez pas de strike pack ou de Chronis Max, ça va être compliqué, mais je vais vous montrer une alternative, ok? Alors, pour ceux qui ont un strike pack, il suffit juste de mettre Rapid Fire sur L2. Rien de plus simple. Alors, pour ceux qui sont légit, vous allez faire des manches. Regardez mes points de vie. J'ai 350 points de vie. J'ai un maximum de thunes. J'ai 97 réa. Bon, j'en avais mis 99, mais pour faire mon glitch, j'ai dû me suicider deux fois. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs. Les zombies me font moins mal. J'ai pas de zombie boss. J'ai pas... les zombies, je les tue deux fois plus vite. Donc, deux fois moins de vie. Donc voilà, j'ai ma régénération de santé instantanée, super rapide, et à chaque fois que je tue un zombie, je récupère de la vie. Donc, pour un joueur légit, toute cette petite option, pour on va dire un noob ou un joueur expert, bah, vous allez pouvoir vous mettre dans un coin, jouer tranquillement, sans avoir peur de perdre à la manche 20 ou à la manche 30, 40, etc. Et vous allez gagner le même nombre de liquide divinium, de plasma, nébulium, excusez-moi, que si vous le faites en légit, ok? Sauf que là, vous avez une facilité déconcertante pour faire ces plasmas. Donc, si jamais vous voulez, ça c'est franchement pour moi, c'est le top astuce, hein. Si jamais vous voulez faire des parties custom rien que pour les plasmas, par exemple, vous êtes niveau 1000, bon, je sais bien que les joueurs légit, vous ne l'êtes pas, mais on va dire que vous en foutez de votre niveau, vous voulez juste des plasmas, et bien vous lancez des petites parties comme ça et vous faites des plasmas en illimité au calme. Alors maintenant, pour les joueurs glitchers, je vais, voilà, je vous ai dit ce que c'était pour les joueurs légit. Maintenant, je vais m'adresser à ma communauté parce que, et à moi-même, parce que moi, je suis un joueur glitcher. Bien sûr, je ne vous incite en rien à faire ce que je suis en train de faire. Je vous explique que moi, je peux le faire et comment je le fais, ok? Et comment vous pouvez le faire, bien sûr, si vous voulez faire la même chose que moi, mais ça, c'est votre problème, ok? Donc, maintenant, je vais mettre fin à la partie. Comme ça, vous allez déjà voir combien de plasma je gagne, parce que je parle, mais je vous dis pas combien de plasma j'ai gagné en combien de temps. Donc là, ça fait 10 heures. Regardez, même en fait, sans lancer les chakrams, je peux tuer les zombies parce que, en fait, là que je remarque, je suis même pas obligé de lancer les chakrams. D'habitude, je fais des parties personnalisées en réel, en réaliste, donc je suis obligé de lancer les chakrams parce que sinon, ben, mes Ragnarok qui tournent autour de moi, ça les one-shot pas. Et là, carrément, vous êtes même pas obligé d'avoir un strike pack pour le faire. Je viens de le remarquer. C'est magnifique, c'est parfait parce que c'est vraiment la meilleure astuce, c'est de le faire sur Voyage of Despair. Après, vous pouvez le faire sur Blood of the Dead avec des chiens et tout ça, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors là, ça fait 10h07 que je suis dans la partie, donc je vais tout simplement mettre fin à la partie. Et vous allez voir combien de plasma j'aurai gagné. Donc j'ai survécu 63 manches, parce que j'ai commencé bien sûr à la manche 50. Hein. Regardez, j'ai gagné exactement 200 nébulium, les potos. C'est juste insane. Alors, cette technique, c'est vraiment la meilleure sur cette map. Avec les paramètres que je vais vous donner, c'est vraiment la meilleure solution pour gagner des plasmas. J'ai essayé avec des chiens. Ça, les kills vont plus vite, les manches vont plus vite, mais on ne gagne pas autant de nébulium. Pourquoi? Parce que bah, déjà les parties ne peuvent pas durer plus longtemps que 4, 5, 6 heures maximum. Et voilà, c'est ça le problème. Donc là, moi j'ai été dormir, je me suis réveillé 10 heures plus tard, boum, bah, j'ai mangé et tout, je me suis levé à mon aise. Et puis boum, qu'est-ce que je reçois? Bah, 200 plasma, c'est pas rien, c'est vraiment chouette.
Franchement, c'est vraiment cool. Donc regardez, j'ai fait 40 éliminations, 5 tirs tête, score de 3 millions, 113 manches atteintes et 10 heures de durée de partie. Okay. Donc maintenant, comment je fais? Je vais vous le montrer sans démo, voilà. Sur Blood of the Dead, je vais d'abord vous le montrer sur ça. Ce que je fais sur Blood of the Dead, si vous voulez le faire aussi, vous pouvez le faire avec les zombies, mais c'est pareil. Le problème, c'est que les zombies, vous allez les one-shot et la partie va crash après 6-7 heures de temps. Okay, mais je vais quand même vous montrer les deux techniques. Comme ça, vous savez qu'il y a deux techniques qui fonctionnent encore pour les spécialistes en illimité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « c'est patché ». Non, c'est pas patché. Okay, donc là, je vais vous montrer les deux. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais on s'en fout. Alors, manche 50 de base, ok. Afficher le chrono, je l'affiche tout le temps. Manche spéciale, je mets 100... Non, je sais même pas pourquoi j'ai touché à ça, mais normalement, vous laissez avec, on s'en fout. Ici, vous mettez électricité, porte ouverte, avec, ouvert. Barricade, ouvert, barricade, 100. Ça, c'est pour les zombies, mais bon, c'est pas très important parce qu'on va mettre que des chiens. Si vous voulez mettre des zombies, bah, mettez les barricades 100, comme ça, ils spawnent plus vite. Alors, sacré punch, c'est important, faut mettre, toujours activé. Là, on va sur Blood of the Dead, donc important, faut mettre la boîte mystère partout, ok? Faut la mettre partout, partout. Alors ici, fréquence, c'est les bonus, donc vous mettez double, 20 améliorations, 100, 100, 100, vous laissez juste autoriser les armes spéciales, donc c'est les bonus pour recharger votre spécialiste. Donc dans Blood of the Dead, il n'y a pas vraiment besoin, parce que comme c'est avec que des chiens, bah, vous n'allez jamais en avoir, donc ça ne sert à rien. Mais si jamais vous mettez les zombies, ben mettez ça, ok? Les élixirs, vous les mettez à x2. Ici, dans les armes, comme vous êtes sur Blood of the Dead, vous mettez que les fusils à pompe. Voilà. Parce que c'est très important, il nous faut la Blunder Gate. Alors ici, armes spéciales, vous mettez rapide x2. Équipement rapide x2. Ennemis, vous mettez serré. Super sprint. Moitié, moitié. Et là, c'est là que tout est important. C'est là que c'est très important. Parce que si vous voulez que des zombies, vous pouvez le faire que avec des zombies sur Blood of the Dead. Mais il va falloir enlever tous les lourds. Les mini-boss, les catalyseurs et les vermines. Ok, vous les enlevez tous. Mais si maintenant vous voulez, ça fonctionne, hein, je vous assure, je ne vais pas faire 10 000 tests pour vous prouver que ça fonctionne. Croyez-moi, ça fonctionne. La même technique que je vais vous montrer avec les chiens fonctionne avec les zombies. Ok, mais moi, je veux vous le montrer avec les chiens. Parce qu'avec les chiens, c'est très bien aussi. Alors là, vous mettez uniquement vermine. Donc les autres, vous ne touchez à rien. Et vous mettez moitié ou quadruple. Je vous conseille, si c'est pour des plasmas, vous mettez quadruple parce que plus vous allez tuer de zombies ou de chiens, plus vous allez gagner des plasmas. C'est sûr et certain, j'ai fait le calcul, j'ai fait plein de tests, ça fait 2 mois que je suis dessus, vous savez, je suis sûr de ce que je dis. Bref, après c'est possible que je me trompe, personne n'est parfait. Enfin bref, donc là, moitié, moitié, ok, multiplicateur de dégâts, multiplicateur de santé, moitié, fréquence d'apparition, quadruple, uniquement, ok. Maintenant, on va dans joueur, dans santé, vous mettez 3 barres. Le délai de régénération, vous mettez courte, vitesse de régénération instantanée. Et là, vous mettez les éliminations, vous donne de la santé élevée. Okay, ensuite, vous mettez des points, 50 000 points, et vous mettez 99 auto-réanimation. Ensuite, vous quittez. Vous pouvez voir que je suis pas en partie mutation personnalisée en haut à gauche. Okay, donc là, je lance la partie et je vais vous montrer la préparation pour faire ce glitch avec les chiens. Je vous assure, ah merde, j'ai oublié de changer un truc. Mais je vous assure qu'en 5 minutes, voire 6 minutes, je suis dans le glitch. Et j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire, ok. Après, un joueur légit va devoir le faire manuellement, ok. Donc là, je vais devoir relancer la partie, je pense, ou peut-être pas. Mais il me faut le lance-flamme, le spécialiste lance-flamme. C'est très important, il vous faut spécialiste. Alors, je suis sur Blood. Est-ce que j'ai mon spécialiste de feu? Nickel, j'ai mon spécialiste de feu, c'est parfait. Donc maintenant, ce que vous allez à faire, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais pas faire de coupure, je pense pas, en tous les cas. Donc, première chose, c'est que vous allez aller à l'électricité. Ok. Donc, ici, il y a déjà le pack à punch, comme on a activé tous les packs à punch. Ça, c'est bien. Et là, votre objectif, c'est de tomber sur la Blunder Gate. Ok. Donc, là, vous lancez une bombe spectrale. Voilà. Et ici, vous allez faire la boîte. Vous allez faire la boîte jusqu'à temps que vous allez tomber sur la Blunder. Donc, là, je vais peut-être faire une petite coupure. Hein, parce que. Ah, bah non, c'est bon. Je tombe dessus, nickel. C'est vrai que ça prend pas énormément de temps pour tomber dessus, hein. Maximum 10 boîtes, vous tombez dessus. Alors, quand vous avez votre Blunder Gate, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est parce que je l'ai fait vite, mais il faut absolument mettre votre deuxième arme dans le pack à punch et de la laisser dans le pack à punch. Très important, il vous faut qu'une seule arme. L'arme qu'il vous faut, c'est la Blunder Gate uniquement. Quand vous avez la Blunder Gate uniquement, rien de plus simple,
vous allez à la maison du directeur. Donc vous pouvez soit continuer le chemin tout droit, ou soit vous passer par ce petit raccourci, un signe de chemin rapide, ça peut vous être utile. Enfin, voilà, c'est à votre choix. Moi, je trouve que c'est plus rapide de le faire comme ça, et puis au moins, c'est un peu une question de flemme, tu vois. Comme ça, je vois pas avancer, esquiver les chiens et tout, tu vois, je prends le raccourci, c'est plus facile. Enfin bref. Alors là, vous mettez votre Blundergate dans la cheminée. Vous faites exactement comme moi. Commencez pas à aller faire le bouclier, aller vous acheter je sais pas quoi. Faites comme je vous le montre et puis c'est tout, ok? Alors maintenant, le truc, c'est que comme j'ai eu mon arme très rapidement, mon spécialiste n'est pas chargé. Donc il va falloir que je charge mon spécialiste. Donc, vous mettez une grenade par terre et là, vous attendez que les chiens arrivent sur vous. Voilà, maintenant que vous avez votre spécialiste, vous l'activez et vous commencez déjà à faire des kills si vous voulez. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me mets dans la citadelle parce que j'ai l'impression que les spawns sont plus rapides. Je n'ai pas fait le test par rapport à la plateforme qui est en haut, donc la passerelle. Mais c'est possible qu'à la passerelle, ce soit plus rapide. Mais peut-être pas avec les chiens, je ne sais pas. Franchement, faut faire le test, j'ai jamais fait vraiment le test. Mais bon, je pense pas que vous allez gagner la moitié du temps si vous le faites dans la passerelle. Donc voilà. Bref. Ensuite, quand vous avez votre spécialiste en illimité, vous sautez sur cette petite planche. Vous n'êtes même pas obligé de sauter sur cette petite planche, mais moi, je le fais quand même. Alors là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre un élastique sur votre bouton R2. Ok ? Donc, si vous avez un strike pack, vous pouvez déplacer votre bouton R2 sur votre palette de droite et mettre l'élastique sur votre palette de droite ou de gauche. Voilà, ça revient en même. Là, l'objectif est de réussir à aller au niveau 3. Donc, vous voyez, votre spécialiste, il est niveau 1. Il faut attendre le niveau 3. Il faut savoir que la manche 50, c'est la plus lente. Parce que on va dire que c'est un peu une manche 1, mais à la manche 50. À la manche 51, les chiens vont venir d'une telle vitesse que votre spécialiste va se recharger en moins de 60 secondes et sera niveau 3 en moins de 60 secondes. C'est juste la première manche qui est un petit peu plus lente pour toutes les manches 50. À chaque fois que vous allez faire une partie personnalisée, à chaque fois la manche 50 sera beaucoup plus lente que les autres. Donc là, je vais faire une petite coupure pour vous éviter la longévité de cette manche. Et vous montrer ce que vous devez faire quand votre spécialiste est niveau 3. Donc je vous dis à tout de suite. Ah oui, petite parenthèse, vous avez vu, je suis à 4 minutes 48. Hein. Je me suis mis dans le glitch en même pas 4 minutes. Ok, donc c'est quand même assez ouf parce que... Enfin voilà, même un joueur légit, je vois pas pourquoi un joueur légit ne ferait pas un glitch qui ne vient en rien abîmer ses statistiques, même pas ses XP. C'est pas une question de glitch pour les légites. Franchement, un joueur légit, je trouve que y a pas de glitch là-dedans. Il y a pas de glitch parce que c'est une solution pour ne pas payer ses plasmas, tu vois, ne pas galérer à avoir des plasmas. Donc si vous, votre légitimité, c'est de payer pour avoir des plasmas et de galérer des centaines d'heures pour avoir des plasmas, surtout qu'un plasma, c'est 10 fois plus dur qu'un liquide divinium à obtenir sur Black Ops 3. Et je vous assure que c'est 10 fois, même voire 20 fois plus difficile d'obtenir. J'ai fait le calcul, hein. Je fais le calcul, 7 minutes, un liquide divinium sur Black Ops 3, en légit. Et ici, en légit, moi, je te parle en glitch en plus, hein, 10 fois, 20 fois plus long, en glitchant, hein, parce que j'ai fait 200 plasma. 200 plasma, ça équivaut à genre, 75, 150, ouais, ça équivaut à 30 plasma. Liquide, 30 liquides, les mecs. Même pas, attends. À 9 liquides, les mecs. 200 plasma, ça équivaut à 9 liquides, les mecs. Vous imaginez 9 liquides? Vous les avez en 9 fois 7 minutes. Et là, je dois passer 10 heures pour avoir, en glitchant, 10 heures pour avoir 9 liquides de BO3. La conversion, les mecs, c'est juste incroyable. N'essayez même pas de convertir parce que vous allez vous arracher les yeux de la tête et vous allez même plus vouloir avoir des plasmas tellement que c'est difficile d'en avoir. Franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, surtout que les bubblegum, pour l'instant, les élixirs, moi, j'utilise pas mes plasmas. Hein. J'en ai 11 000, je vais pas les utiliser. Pourquoi? Parce que mes plasmas, je les ai tellement galéré à les avoir que j'ai pas envie de les user. Pourquoi? Pour une mort instantanée. Pour une bombe, pour de la merde, pour de la merde, il n'y a même pas d'accro des atouts. Alors, pour l'instant, je n'userai aucun plasma. J'ai un inventaire de chaque élixir dans mon inventaire, hein. C'est tout ce que je voulais. Maintenant, je n'userai plus rien. Bref, c'était ma petit moment coup de gueule, enfin pas vraiment un coup de gueule, c'était juste pour vous informer, une information supplémentaire, enfin bref. Je vous dis à tout de suite quand je suis niveau 3. Alors là, je vais passer niveau 3 de mon spécialiste. Ça fait 27 minutes, vous avez le chrono en haut, donc ça fait 23 minutes que j'attends. Là, je vais passer enfin niveau 3 dans la manche 50, je suis toujours à la manche 50. Donc le problème de ce glitch, c'est que les manches, les parties, elles durent pas assez longtemps, donc vous gagnez pas assez de liquide, de plasma. Et en plus de ça,
ça prend énormément de temps pour passer la manche 51. Enfin, la manche 50. Donc, vous mettez blindé de temps pour avoir votre spécialiste niveau 3. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire la deuxième option. Mais au moins, je vous montrerai que le glitch était faisable sur une autre map avec des autres spécialistes et comment le faire sur Blood of the Dead. Donc, voilà. C'est avec la Blunder Gat et tout ça. Donc, vous voyez bien que c'est toujours opérationnel. Alors, il faut savoir aussi qu'il ne faut pas prendre les singes. Si vous prenez les singes, le problème, c'est que vous allez devoir recommencer le glitch au niveau 2 et au niveau 3. Parce que vous allez devoir réactiver votre spécialiste niveau 3, niveau 2. Enfin bref, je sais pas, ça bug un peu. Donc évitez de prendre les singes. Si vous prenez le singe, vous relancez la partie, vous recommencez et ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je peux encore passer niveau 3. Donc je vais bientôt le passer à mon avis. Maintenant, je vais le passer dès que la jauge verte sera remplie et qu'elle sera diminuée. Je vais passer niveau 3 et je vais vous montrer ce que vous devez faire. Donc voilà, mon spécialiste va passer niveau 3 maintenant normalement. Voilà, nice. Ce que vous devez faire maintenant, c'est re-remplir votre spécialiste pour activer la tornade. Donc là, je vais re-remplir mon spécialiste et je vous montre que quand j'aurai activé la tornade, ça sera encore plus efficace. Voilà, mon spécialiste est en train de diminuer. Maintenant, je lâche R2 et j'appuie sur L2 et R2 en même temps. Et regardez, une tornade va commencer à tuer tous les chiens. Donc pour le fun, maintenant, je vais laisser tourner la partie jusqu'à temps que je passe manche 51 pour vous montrer un peu combien de temps ça prend pour passer à la manche, enfin pour passer la manche 50. Bien sûr, je laisse mon doigt appuyé sur R2 au cas où il y aurait un chien ou deux qui arrive à passer pour pas qu'il me nique, même s'il n'y arrivera pas parce que la tornade va venir le niquer avant qu'il me nique. Mais bon, laissez quand même votre bouton appuyé sur R2 au cas où. Ok, donc je viens de passer à la manche 51. Il m'a fallu 37 minutes pour passer la manche 51. Mais il faut savoir que j'ai mis quadruple zombie vermine. Donc j'ai mis 4 fois plus de chiens. Donc si vous voulez passer les manches plus vite, vous pouvez mettre moitié, vous passerez 4 fois plus vite les manches. Maintenant, je vais faire le test. Regardez, déjà, les chiens, comme ils spawnent, c'est déjà différent, ok? Mais vous allez voir que je suis à la manche 51, 37 minutes. Vous allez voir à la manche 52, à combien de minutes je serai, ok? Comme ça, vous allez pouvoir un peu voir que ça fonctionne vraiment bien et que ça va beaucoup plus vite dès que vous aurez passé la manche 50. Voilà, 42 minutes, 33 secondes. Manche 52. Il m'a fallu un peu plus de 5 minutes pour passer une manche de la manche 51 à la manche 52 et il m'a fallu 37 minutes pour passer de la manche 50 à la manche 51. Donc vous voyez bien la différence de temps de spawn de chien que ce soit à la manche 50 et à la manche 51. C'est juste énorme. Alors moi ce que je vous conseille c'est de le mettre en quadruple si jamais vous allez dormir. Vous mettez l'apparition de chien quadruple si vous allez dormir. Mais si vous êtes en train de, je sais pas moi, faire un truc, vous en avez pour 4 heures, bah là vous mettez à moitié. Comme ça, les vagues vont passer plus vite, les manches vont arriver plus vite. Parce que là, vous allez perdre une demi-heure pour rien. Donc, si vous allez dormir, vous savez que vous allez revenir dans 10 heures, vous mettez quadruple. Et si vous le faites un petit laps de temps, bah, vous mettez moitié. Maintenant, je vais vous montrer l'autre technique qui est vraiment favorable. Regardez le spawn de chien, c'est juste insane. Enfin bref, donc là, je vais mettre fin à la partie. On va voir combien de trucs j'ai gagné. J'ai tué 2132 zombies et j'ai gagné 15 Nibulium. Ok, donc regardez, c'était bien la même partie. Maintenant, on va le faire sur Voyage of Despair. Donc, on choisit la carte Voyage of Despair, la traversée du désespoir. Voilà, c'est parti. Donc là, on peut laisser le paramètre. Je vais juste vérifier. Donc ça, pourquoi ils mettent tout le temps les manches spéciales sans? Je ne comprends pas. Les boîtes mystères, vous n'en avez pas besoin. Sacré punch, ouais. Amélioration, ouais. Très important. Les améliorations, vous les laissez avec les armes spéciales. Donc 20 améliorations. Elixir, ok. Armes. Les armes, bah, vous pouvez toutes les mettre. Hein, ça, on s'en fout. Voilà, voilà. Alors, vitesse de rechargement x2, ouais, rapidement x2, zombies serrés, super sprint, moitié-moitié, zombies spéciaux, là, très important, sur Voyage of Despair, ce que vous faites, c'est que vous mettez vermine uniquement, et vous mettez moitié, parce que vous allez avoir plein de zombies, et vous allez avoir que des zombies, donc c'est très important, mais ce qui est bien, c'est que vous aurez la moitié de zombies qu'en temps normal, donc vous allez passer plus de manches, et vous allez tuer les zombies pas spécialement plus vite. Mais voilà, vous aurez moins de zombies. Donc après, vous pouvez mettre quadruple. J'ai fait le test. Quand je mets quadruple, j'ai l'impression que je gagne un petit peu moins de plasma que quand je mets moitié. Donc pour l'instant, je ne saurais pas vous dire exactement. Mais je pense que moitié est plus favorable pour gagner plus de plasma. Parce que vous aurez la moitié de zombies et apparemment, c'est mieux. Que quadruple, ben, vous avez plus de zombies et c'est pas spécialement mieux. Donc je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref. Vous pouvez faire le test chez vous et n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez fait le test. Et dire vos résultats. Alors, dans santé, toujours pareil, hein, 3 cours instantanés élevés, point 50 000, baron d'honneur 99. Donc là, ok, on lance.
Par contre, vous mettez vos chakrams, vous mettez bien vos chakrams, vous lancez la partie. Et là, je vais vous montrer comment faire pour avoir les spécialistes en illimité sur Voyage of Despair et à quel endroit se mettre pour faire des manches en illimité, même si je pense que vous pouvez vous mettre n'importe où. Alors, il faut savoir aussi qu'en 14 heures, j'ai réussi à faire 255 liquides plasma dans Voyage of Despair avec la technique que je vais vous montrer avec la moitié des zombies. Après, j'ai recommencé une autre partie avec le quadruple de zombies, parce que là, je les ai notés en fait. Et en 12 heures, j'ai fait 225 zombies. Donc voilà, c'est pas 14 heures, c'est 12 heures. Donc c'est 2 heures en moins, 25 plasmas en moins. Donc je pense que la moitié, c'est mieux. Parce que je pense qu'en 2 heures, j'aurais pas fait 25 plasmas en plus en quadruple. Donc voilà. Enfin bref, les mathématiques, les calculs, faut faire des milliers de tests, mon gars. Ça fait 2 voire 3 semaines que je suis en train de tester tout plein de trucs pour essayer de vous proposer un truc propre. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. J'ai des notes un peu partout. En plus, je m'embrouille dans mes notes, donc c'est pas évident. Enfin bref, on s'en fout. Donc là, ce que vous allez faire, c'est aller améliorer votre Discord. Donc vous allez tout au bout du bateau. Comme il y a tous les packs à punch d'activer, moi je le fais au bout du bateau, c'est plus simple, il y a plus de place. Et bien, vous allez le faire là-bas. Ok, donc laissez-moi passer, merci. Donc, vous avez vu, toutes les claques que je mange, je me remets pas. Donc même si vous voulez le faire en légit, ça peut très bien passer. Donc là, j'améliore mon Discord. Je mets une grenade. Je récupère mon Discord et là je vais remettre une grenade pour remplir mon spécialiste. Donc très important, lancer des grenades dès le début, comme ça vous n'auriez pas de bonus d'amélioration d'armes spéciales. Parce que il y en a que 4-5 qui vont spawn, ok. Je sais pas pourquoi j'ai mis 20 dans le truc, il y en a que 4-5 qui spawn, j'ai jamais compris pourquoi, enfin bref. Donc là ce que vous allez faire, c'est paquer des zombies pour pas gâcher votre spécialiste. Donc là si vous êtes bloqué, vous vous laissez tuer, parce que si vous activez votre spécialiste, ça va tuer déjà les zombies qui sont autour de vous. Ça ne va pas augmenter votre jauge de spécialiste pour le monter niveau 3 et ça va vous ralentir le truc. Donc si vous faites bloquer et qu'il y a 3-4 zombies, enfin si vous faites bloquer, vous n'activez pas votre spécialiste parce que ça va tuer tous les zombies qui vous bloquent sans vous donner l'XP pour monter vos spécialistes niveau 2 et niveau 3. Ok, donc là vous paquez un peu les zombies et puis vous allez un peu en hauteur. Donc quand vous voyez que ça spawn plus trop, donc là il y en a quand même pas mal. Donc là je vais refaire une petite boucle ici. Je vais retourner de l'autre côté et je vais remonter dans les escaliers. Puis je vais activer mon spécialiste et je vais pouvoir en tuer un maximum. Regardez ma jauge bleue. Elle, normalement, elle va augmenter un maximum. Donc là, je lance mon truc et je fais des coups de poing. Hop, L2, R2 quoi. Hein, je spam les deux. Regardez ma jauge de spécialiste. Elle est déjà quasi remplie. Donc ça, c'est bien. J'ai jamais réussi à le remplir en une seule fois. Donc passer niveau 2 en une seule fois, c'est possible de le faire. Mais j'ai jamais réussi. Regardez, il est bloqué niveau 1. Donc là, je vais devoir le réactiver. Mais là, c'est très important. Regardez, vous allez tuer un zombie et il va vous donner un spécialiste. Donc là, vous allez tuer un zombie par un avec votre arme Discord améliorée. Ok ? Donc maintenant, je vais repacker les zombies pour réutiliser mon spécialiste. Si je pack les zombies maintenant parce que je suis niveau 1, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est parce que quand je vais passer niveau 2, j'aurai déjà un petit peu de jauge bleue de mon niveau 2 si j'ai packé assez de zombies. Donc essayez vraiment de packer un maximum à chaque fois, le plus que vous pouvez. Comme ça, bah, vous allez monter niveau 3 le plus rapidement possible. Normalement, en 6-7 minutes, je me mets dans le glitch. Là, ça fait déjà 3 minutes 30. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Donc là, je vais réactiver. Donc, je vais monter en haut. Si je monte les escaliers, c'est pour les ralentir un peu les zombies. Pour pas que quand j'active mon spécialiste, je les tue sans faire exprès. Très important, tuer le moins de spécialistes. Tuer le plus de zombies possible quand votre spécialiste est activé. Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes bloqué, n'activez pas votre spécialiste. Sinon, ça va tuer tous les zombies pour rien. Ok. Donc voilà, je suis passé niveau 2 et j'ai encore un petit peu de jauge bleue. Maintenant, ce que je fais, c'est que je tue un zombie. Je récupère mon spécialiste. Nice, vous avez vu? Avec les paramètres que je vous ai dit de mettre, c'est assez facile, ok? Donc vous faites la même chose que moi et vous allez y arriver easy. Donc là, je repack tranquillement. Je sais que la vidéo est longue, mais moi, j'aime bien expliquer, j'aime bien parler, j'aime bien faire des vidéos longues parce que je trouve qu'elles sont un peu plus complètes. Et voilà, je trouve ça un peu plus agréable. Pour moi, en tous les cas, c'est plus agréable. Je sais pas pour vous, mais bon, bref, on s'en fout. Je sais bien que vous n'avez pas 20 minutes ou 30 minutes à donner de votre vie, mais voilà, c'est comme ça. Bon, là, je suis bloqué, par exemple. Mais je vais pas activer mon spécialiste, parce que si j'active mon spécialiste, je vais tuer tous les zombies qui m'ont bloqué. Donc, ça sert à rien. Donc là, j'attends d'être réanimé. Comme les spawns, ils sont déjà tous, sortis de leur spawn, je vais pouvoir activer mon spécialiste presque instantanément dès que je suis relevé. Je vais juste un peu les repacker. Voilà, vite fait, comme ça. Parce que vous voyez bien qu'ils partent dans tous les sens. Ils sont complètement indisciplinés, MDR. Donc voilà, là j'active mon spécialiste, boum. Et je les défonce le plus vite possible.
Parce que si vous les défoncez le plus vite possible, ils respawnent le plus vite possible. Donc essayez de les défoncer assez rapidement. Hop, hop, hop. Donc je suis presque niveau 3. Mais je pense que j'arriverai pas à passer niveau 3 tout de suite. On va bien voir. Non, je passe pas niveau 3. À chaque fois, c'est comme ça. Donc là, pareil, hein, je retue un zombie et je prends le spécialiste. Nice. Et on verra bien si j'aurai encore un zombie à tuer pour avoir un spécialiste. Je sais pas s'il va me le donner encore une fois. C'est possible. Hein. Si ça marche, bah, ce sera la première fois que j'arrive à le faire avec que des spécialistes. Donc là, je pack un petit peu. Mais là, vous n'êtes pas obligé de packer beaucoup. Hein. Vous faites deux petits tours. Et là, vous allez voir ce que vous allez faire. Donc, hop. Là, je remonte. Voilà, je remonte. Hop, j'active mon spécialiste. Je défonce un peu tous les zombies. Voilà. Et maintenant, je me laisse tuer. Donc, j'espère qu'il y a un zombie qui va spawner assez rapidement. Voilà, là, il y a un zombie. Vous allez vers le zombie et vous lui demandez qui vous tue. Monsieur le zombie, tuez-moi, s'il vous plaît. Très important, très très vite. Et... non, il n'aura pas le temps parce que mes Ragnarok se sont rangés. Donc ça, c'est dommage. Vous aurez pu gagner... Vous voyez, mes chakrams, ils sont passés niveau 3. Et le but, là, maintenant, c'est de se suicider avec nos chakrams activés. Là, mes chakrams n'étaient pas activés. Donc, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir que je recharge mon spécialiste. Et il va falloir que j'active... donc, ok, nice, j'ai un truc là. Il va falloir que j'active mon spécialiste, donc comme ça. Et que je me laisse tuer par les zombies. Donc là, vous attaquez pas, vous vous laissez tuer. Comme ça, vous récupérez la moitié de votre jauge si vous vous faites tuer assez rapidement. Voilà, j'ai la moitié de ma jauge comme ça. Et maintenant, je vais lancer une grenade par terre. Et je vais réactiver mon spécialiste. Mais d'abord, je vais devoir user les munitions de mon Discord améliorées. Très important, n'achetez pas aussi de deuxième arme, ok? Très important, pas acheter de deuxième arme. Et il faut pas récupérer des munitions max ou racheter des munitions max. Il faut vraiment que votre arme soit vide. Par contre, là, c'est un problème. Faut que je mette ça. Hop. Parce que là, je suis bloqué. Il faut pas qu'il me retue. S'il me retue entre-temps, ça craint. Ok? Donc là, je suis important. J'ai juste toutes mes munitions avant d'activer mon spécialiste. Parce que si j'use pas toutes mes munitions, ça ne fonctionnera pas. Donc là, j'utilise toutes mes munitions. Donc il m'en reste 64 dans la réserve. Donc, juste la réserve et le chargeur. Et après, je pourrais activer mon spécialiste et je l'aurai en éliminé. Donc, hop, hop, hop. J'ai que 9 balles. Voilà, nice. Maintenant, j'active mon spécialiste. Et j'active L2, R2. Maintenant, je vais tout simplement aller me mettre dans mon petit coin. Je me mets dans ce coin-là parce que les zombies ils viennent que d'en face. Et je trouve que c'est le mieux. Donc, une petite dédicace à Johnny34 et à Audrey Marley qui m'ont donné ce petit spot. Qu'ils ont trouvé en ruée. Donc, voilà. Là, soit vous laissez les spécialistes en illimité comme ça. Ça va passer les manches tout seul. Ou soit vous lancez votre chakram en illimité en ayant un Rapid Fire ou un Chronus Max. Donc ce qui est bien, c'est que si vous lancez votre chakram, le chakram va tuer les zombies de plus loin. Donc ça passera les manches plus rapidement parce qu'il est, on va dire, il est spawn trap, ok, enfin, des shots dès qu'il spawn. Que s'ils viennent jusqu'à vous, ben, ça prendra un petit peu plus de temps parce qu'ils doivent voyager jusqu'à vous pour justement passer la manche. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer combien de temps. Donc là, vous avez vu, hein, je suis en 7-8 minutes, j'étais dans un glitch. Et là, je vais vous montrer en combien de temps je vais passer de la manche 50 à la manche 51. Vous allez voir, c'est assez rapide. Voilà, je suis passé manche 51 en 12 minutes. On va dire qu'on enlève 7 minutes de préparation. Donc, ça fait 5 minutes. En 5 minutes, je suis passé manche 51. Allez, on va dire 5-7 minutes. Je suis passé manche 51. Donc là, on va voir en combien de temps je vais passer jusqu'à la manche 52. Normalement, ça devrait prendre vraiment 2 minutes. On va bien voir. Voilà, il m'aura fallu un peu moins de 4 minutes. Enfin, plus ou moins 4 minutes. Pour faire une manche de la 51 à la 52. Et il m'aura fallu 7 minutes pour faire de la manche 50 à la 51. Donc vous voyez bien que la manche 50 à 51, elle est beaucoup plus longue. Alors maintenant, je vais mettre fin à la partie. Ça fait 16 minutes que je suis dans la partie. On va voir combien de plasma j'ai gagné. Donc je vous conseille fortement cette astuce. Je vous ai présenté les deux astuces, pas deux glitches. Mais je vous conseille de faire celle-ci si jamais vous cherchez à faire un maximum de plasma. Donc j'ai fait 508 éliminations. Et j'ai gagné 5 plasmas. Donc voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette astuce vous aura fait plaisir. Regardez, j'ai 12378 liquide divinium, enfin plasma nebulium. À chaque fois que je vais dormir, je me lance dans ce petit partie personnalisé. Je me fais ce petit glitch sur Voyage of Despair. Et je gagne 200 plasmas à chaque fois que je me réveille. Donc c'est assez stylé. Ça monte assez vite. C'est pas ouf. Mais ça monte. Je pense que c'est quand même la meilleure stratégie pour faire un maximum d'XP. De Nebulium, excusez-moi. Et faut savoir que quand il y a le x2 Nebulium, ben là franchement vous faites 400 Nebulium, même parfois 500 si vous faites 14 heures de partie. C'est énorme, 500 par 500,
vous arrivez vite à 10 000. Hein. Ça, je vous assure qu'en un week-end, ben, vous pouvez déjà, en un week-end, on va dire samedi et dimanche, vous faites déjà 1000 liquides divinium, enfin 1000 plasma en x2. Sinon, ben, ça vous coûte 500 plasma en normal, enfin en glitchant, normalement, sans le x2. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle était longue. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag Nebulium parce que ben, justement, c'est un peu le sujet de cette vidéo. Donc voilà, mettez hashtag Nebulium pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça me fera extrêmement plaisir de voir beaucoup de commentaires dans ce genre pour me dire ben, que voilà, vous avez regardé toute la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à tous ceux qui l'ont fait et merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool ou Mike. Et ciao, peace.